depuis octobre on n'était plus venu. Je vous assure que ça fait un bien fou de pouvoir enfin rentrer sur le parc. Donc je vais vous présenter la petite famille aujourd'hui. Donc au moins vous voyez avec qui on est venu accompagner. Donc il y aura Tonton Max. Moi c'est pas possible, ils m'ont oublié. Tonton Max. C'est pas possible, ils m'ont oublié. Il y a Nanou. Il y a Papou. Coucou. Coucou. Elle l'a scanné. Tous les papis handicapés. Ma reine. Et mamie. Donc voilà, non papy, j'ai dit. Donc du coup là, on arrive à l'entrée du parc. Il y a la petite musique et tout, hyper ambiancé. Je suis trop contente, je crois que je vais pleurer vraiment. Donc là, on va aller voir les personnages qui sont en train de danser. Et à mon avis, après, on va faire directement l'attraction Buzz. À tout à l'heure. T'aimes bien papy? Ouais. C'était bien bon. C'était bien bon. Oui, vous avez bien entendu. Je perds mes cheveux, j'ai besoin de vitamines. On enchaîne avec un petit Hyper Space Mountain. C'est parti les amis. Voilà, on ressort de l'attraction. On va demander à ce que papy ce qu'il en a pensé. Ah, oui. Alors papy. Magnifique. C'était cool. Super. T'as pas fait un arrêt de cœur, ça va? Non. Bah non, il est toujours là donc. Voilà. Bien, on va voir mamie, mamie et Marie qui n'ont pas voulu sortir parce qu'elles ont froid, mais il fait pas très très froid en vrai. Regardez où est-ce qu'elles sont, regardez les deux mamies.
Cars Road Trip. Voilà, on vient de faire l'attraction Cars Road Trip. C'était pas ouf en vrai. Bon, les décors sont vraiment beaux, mais. Ça, y a rien qui change, c'est exactement la même chose. Ça se quête rien, non. Ça se quête rien. Il n'y a qu'à voir le temps d'attente, 5 minutes, ça veut tout dire quoi. Mais bon, voilà. La déco est sympa. Maintenant, on va aller voir ce qu'on peut. Qu'est-ce que t'en as pensé, ma reine? C'était pas extra non plus. C'est un flop? Oui, quand même. C'est dommage, hein. Et toi, Papou? Je viens de le dire. Mais toi, Papou? Ben, je viens de le dire. Mais dis. Je viens de dire que question décor, c'était top. Mais sinon, l'attraction, il n'y a rien qui change. C'est exactement la même chose. Vous avez jamais remarqué dans toutes les vidéos qu'on fait les mots d'Andy? Refaites un tour de nos vidéos et vous verrez. C'est quoi? Top. Top. Et les amis? Les amis. Ben... Voilà, les amis. Les amis, top. Ouais, c'est top, les amis. Hello les amis. Donc il est exactement 19h05. On vient de terminer la journée avec un petit BTM. Ça a fait du bien, je dois dire. Maintenant on va se diriger tout doucement vers la sortie. On va aller probablement manger. Non, on va pas probablement manger. On a trouvé un petit restaurant wok pas loin de l'hôtel. Donc on va aller manger par là. Bisous. On se retrouve ce soir les amis, on va où cette fois-ci? Au Buffalo? Eh ben non, c'est pas le Buffalo, on va découvrir quelque chose, c'est quoi? Wok étoile. Le wok étoile. C'est de la nourriture un peu asiatique, jap, chinois, il y a de tout. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur et faire découvrir le menu les amis, bisous. Petite impression sur le début du repas. Copie. Comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que t'en penses mon chat? Tu valides pour le moment? Tu verras si la suite va continuer à être... Non, franchement, c'est bon. C'est goûtu. Bon, mon petit chat, c'est quoi de nouveau que tu as dans ton assiette? Oh! Mais rien de nouveau. Tu trouves ça bon? Vu que tu es la spécialiste du nugget, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les nuggets sont bons ou est-ce qu'ils sont bof? Ouais, ouais, c'est vrai? Où est-ce que tu les trouves meilleurs? Tu les trouves meilleurs? Oui, mais où est-ce que tu les trouves très bons les nuggets? Dans quel endroit? Je me lève et je me lève. Au McDo. Les nuggets du McDo. Bon alors, papy? Ben, ça se fait. Ça se voit? Oui, oui, oui. Déjà, je regarde pas ce que tu manges, mais ça fait déjà 5, 6. Maman. Très bien. Un bon résumé, quoi. J'ai mangé une biche. C'est très bon. Marraine, qu'est-ce que tu penses? Bon début. Un bon début, donc ça veut dire que tu vas y retourner? Bien sûr. Voilà les amis, on va vous montrer très brièvement le buffet. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Si vous avez envie de tester en venant à Disney, c'est à, je pense, bon, du B&B, on a mis une histoire de moins de 10 minutes. Donc au moins, vous voyez que c'est tout prêt. À savoir que c'est 18 euros, je pense 18,90 € en buffet à volonté. En général, les boissons... que ça part de soda ou de l'eau, c'est 3 euros. Voilà.